Votre choix, c'est de refuser. Je le martèle et je le martèlerai. C'est de refuser le débat au fond. C'est de refuser de vous expliquer. De donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés. Avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi, je le répète pour que ce soit sûr, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec d'autres peut-être. Dans ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai, moi, de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. Soir ici, soir ici, soir ici, toi n'es qu'à marimba fait. Je proteste véhémentement contre les propos tenus par le député Alpha Condé. Je ne suis pas ici pour faire du théâtre. Je proteste énergiquement. Je ne voudrais plus qu'il recommence de parler comme cela. Je lui interdis catégoriquement de parler comme cela. Et je voudrais que vous rappeliez à cette occasion à chacun de faire preuve de réserve dans son langage. Je n'accepte pas. C'est ce que je voulais dire, monsieur le président. Un respect pour mon frère Ousmane Ba, non pas pour les discussions et par respect pour l'Assemblée, je suis la recommandation d'Ousmane Ba et du président de l'Assemblée. Il faut qu'on soit quand même honnête avec nous-mêmes. Hein?
l'un des noms plus vieux qui est là, qui est stable, qui ne bouge pas. Bah, docteur Bah est de l'autre côté, qui ne bouge pas. Ceux-ci, quand ils disent de continuer, je suis d'accord. Nous resterons là tant que vous voudrez, mais il faut que nous nous respections. Nous avons invité messieurs les ministres à venir discuter avec nous des problèmes nationaux. Il faut qu'on ait l'honnêteté morale, quand on leur a posé des questions, de rester pour écouter les réponses. C'est tout à fait normal, c'est moral. Étant donné que l'obligation principale d'un ministre d'avoir c'est le vote de son budget, le ministre n'a pas d'autres préoccupations qui soient plus importantes. Si on ne vote pas le budget, il ne peut rien faire. Il aurait été plus logique qu'on accepte de reporter le débat pour que ça se fasse. Parce que la plupart des camarades ne suivent pas, pardon, le mot camarade n'est pas. La plupart des honorables ne suivent pas, les gens dorment. Et vraiment, c'est un débat qui n'a pas tellement d'intérêt. Parce que même les ministres ne peuvent pas. Même les ministres, s'ils voulaient répondre sérieusement aux questions, s'ils nous prenaient au sérieux, ils n'auraient plus le temps d'aller voir leurs collaborateurs. Mais comme on ne traite pas de laisser la jambe, on répond comme ça. Donc, je pense que le président est le premier responsable. Pardon. Je pense que le président est le premier responsable parce qu'il a fait une proposition. Il n'a accepté aucune fois que nous avons voulu faire des bonnes propositions. Moi, j'ai demandé une motion de procédure, il l'a refusé. Je pense que nous respectons beaucoup le président, mais il faut que le président aussi tienne compte de l'avis des députés. Si nous pensons qu'à un moment donné, il faut réellement qu'on discute pour reporter le débat, il faut que le président nous écoute. Mais s'il ne nous écoute pas et qu'il ne tienne pas compte de nos opinions, je pense qu'on arrive à cette situation-là. Il aurait été mieux qu'on fasse le débat le lendemain. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que le gouverneur de la banque, qui n'est pas ministre, que lui aussi, il faut obligatoirement qu'il nous réponde aujourd'hui. Moi, j'ai compris la proposition de son palais qui dit au moins que le ministre qui est un haut fonctionnaire, qui n'a pas de haute responsabilité, comme dit le président, au moins lui peut venir pour nous répondre. Avant qu'on continue le débat sur ce document, le ministre de la Justice qui a fait un projet de loi sur les armes, c'est un problème important, nous fasse tenir l'état des armes autorisées sur le territoire. Parce que nous sommes en train de penser comme ça, on ne sait pas à partir de quel péril on nous demande de voter des textes aussi contraignants. Et j'aimerais prier l'Assemblée nationale de demander au ministre de la Justice de nous soumettre un rapport avant l'adoption définitive du texte et de venir nous expliquer l'état des armes dans le pays. Ça ne peut faire l'objet, ça ne peut conserver la loi que dans la mesure où c'est réuni à des fins d'agression. Il faut que ce contexte soit créé. Mais le commerçant est libre de vendre ses coupes-coupes. Il est autorisé, il a le droit d'importer, le droit de commercialiser, il parle comme il veut. Je crois que ce n'est pas ça. Il faut que nous voyons entre le dépôt à des fins commerciales ou à usage personnel et le dépôt à des fins de guerre ou de combat. Donc je crois que c'est une question d'intention. Que l'on fasse confiance au juge qui va saisir les cas. On ne peut pas tout régler dans le texte de la loi. Ouais. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. Ou alors, on expose la population à l'insécurité publique. C'est une question de choix. Je me demande si on ne pourrait pas utiliser alors la définition qui est dans la sixième catégorie carrément dans le code du texte pour essayer d'avancer. Ce qui nous donnerait à peu près ceci. Toute personne qui détient un dépôt d'armes et de munitions ou tout autre objet susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique est passible d'un emprisonnement, etc. Parce que comme ça, cela, je pense, cela exclut le dépôt qui est au marché, qui est dans un commerce ou bien chez le fabricant. Parce que dès l'instant où on précise que c'est susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique, on sait que ce n'est pas ce qui est le commerce de ce fabricant. Alors je propose moi qu'on précise ça carrément par les catégories 6, qu'on dise en plus des armes et des munitions,
et tous autres objets susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. Comme là, c'est assez clair. Je ne pense pas qu'un gendarme mal intentionné, ou un policier ou un sous-préfet, comme on en connaît ceux qui craignent un peu tout le monde ici, je ne pense pas que dans ces conditions, on puisse dire que c'est un abus. Et c'est grave, parce que si c'est le commerce, ou c'est le fabricant, ce n'est pas une menace pour la sécurité publique. Pourquoi ? Donc je propose cela pour essayer d'avancer. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, l'honorable Mao Soumas. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, il me semble qu'à l'article 19, ce qui vous préoccupe beaucoup plus, c'est le caractère peut-être clandestin du dépôt d'armes. Je dis ceci parce que, comme a dit tout à l'heure l'honorable Fali, à l'article 3, nous avons en quelque sorte autorisé la fabrication, la commercialisation des armes et des munitions. Qui dit fabrication et commercialisation suppose en effet un dépôt. Or, si la détention d'un dépôt d'armes est sanctionnée à l'article 19, il y a l'article 3. C'est pour cela que je propose la formulation suivante. Toute personne qui détient, en dehors de la réglementation en vigueur, un dépôt d'armes ou de munitions de la catégorie 1, 4 et 5 est passible d'un emprisonnement de 2 à 8 ans et d'une amende de 300 000 à 1 million de francs guinéens pour de l'une de ces deux peines seulement. Je voudrais tout simplement qu'on rajoute que le dépôt d'armes ne devrait pas exister en dehors de la réglementation en vigueur. Je vous remercie. Rapporteur, nous avons fait des efforts, mon collègue de droite et moi, pour éviter l'allongement du débat. Il ne faudrait pas, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, il y a eu deux interventions qui semblent nous éloigner de la proposition. Ce que notre collègue Alpha Condé a dit n'était pas dans le sens de blesser les députés privés. Parce que pour ce qui me concerne, j'ai la plus grande considération pour tous mes collègues, qu'il s'agisse de députés du PIP ou de députés de la CODEL. Je ne fais pas de différence entre les députés. C'est leur aptitude à appréhender les choses qui fait que je les suis ou je m'en éloigne. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine confusion. Entre la déclaration de la porteur et la proposition de son pari, Alpha Condé a eu en effet le sentiment que nous n'avons pas voulu relever et suivre le rapporteur qui s'est référé à la suppression de la catégorie 6 uniquement parce que M. Sompare a parlé. Mais Alpha sait bien que j'aime bien Sompare, mais je ne pourrais pas faire du suivisme à son égard. J'aime le suivre quand c'est clair. Donc, moi, je ne suis pas député PIP, mais si Sompare est juste, je le suis. Quand Sompare a fait la déclaration, j'ai eu le sentiment à un moment donné que lui et moi, on était sur la même longueur d'onde. Mais comme il n'a pas conclu dans le sens d'éviter de faire l'amalgame entre les armes blanches et qui ne sont même pas, dont la détention n'est même pas interdite, puis c'était libre. Quelque part, dans l'un des articles adoptés, ces armes blanches, la détention et l'acquisition sont libres. Donc, s'il vous plaît, c'est pour qu'on se rapproche. Donc, tout ce qui a été dit ici, si on s'était donné la peine d'aller vers la synthèse il y a longtemps, on aurait déjà voté. Je crois que M. Sirajou a eu la bonne idée de faire la proposition qui évite de se référer à la quantité et qui n'a conduit l'arme que sous la forme de la menace de la sécurité publique. J'avais précisé que pour qu'on soit beaucoup plus clair et évité, parce qu'à Conakry, la population est plus ou moins sécurisée vis-à-vis de l'abus d'autorité qu'à l'intérieur. Et c'est ça mon souci. S'il y avait la même considération à Conakry et à l'intérieur, je ne serais pas en souci. C'est pourquoi la notion de menace imminente résout mon problème. Donc, par consensus, s'il voudrait plaire au président de proposer soit le texte initial, soit le texte initial amendé dans le sens de M. Sirajou, monsieur le président, je crois que ce n'est peut-être pas parfait, mais
ça permet d'avoir un texte qui veut dire quelque chose de précis et qui ne nous livre pas non plus des points liés aux juges. Soir ainsi, soir ainsi, na, soir ainsi, ton nom est Camaremba Fait.